Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de boxe et notre invité du jour est surnommé Mammouth, jeune franco-ivoirien de 27 ans, un passionné de cette discipline sportive et surtout, il a de grands défis. Yao Taïro est avec nous. Bienvenue. Merci, bienvenue. Vous êtes boxeur champion des Îles-de-France 2018-2019 et depuis le 2 décembre dernier, à nouveau champion des Îles-de-France 2019-2020. On C'est dira exact. félicitations. Merci beaucoup. Avec vous, nous parlerons de la boxe entre passion et défi. Dites-nous, Yao Taïro, comment est-ce que vous arrivez à ce sport? À la base, je commence tout doucement à m'entraîner dehors et j'ai des proches qui me motivent à faire de la boxe. Ça m'a jamais vraiment intéressé les sports de combat. Mais j'ai décidé d'aller faire un essai dans une salle et je me suis fait repérer par un coach. Et ce coach-là m'a demandé si je voulais m'inscrire. Je lui ai dit non, que j'étais pas intéressé. Et mes camarades m'ont vraiment motivé encore une seconde fois à m'inscrire. Donc j'ai dû prendre une fiche d'inscription et j'ai décidé de m'investir sérieusement en disant à mon coach que par contre, je viens pas pour faire du loisir, mais pour boxer sérieusement, pour être un champion demain, je vais être le meilleur. Et vous distinguez des autres par votre sobriquet, vous faites appeler le mammouth. Pourquoi? Pourquoi le mammouth? Parce que je voulais représenter aussi l'emblème de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est l'éléphant. Et pour que ça soit assez similaire, j'ai préféré prendre le mammouth. Pour vous, c'est qui un bon boxeur? Un bon boxeur, c'est un boxeur qui travaille beaucoup, qui est très humble et qui sait maîtriser tous ses atouts. D'accord. Regardons un peu votre palmarès. Catégorie super lourd. Vous faites partie d'une équipe, la Gold to Gold Academy. Oui. Vous avez donc à votre actif 18 combats, dont 14 victoires, Oui. 5 par KO, Oui. 6 défaites par décision. Exactement. Vainqueur du Citeurium des Espoirs 2018, Oui. champion du tournoi international Audivelas 2018, champion des Îles-de-France, on l'a dit tout à l'heure, demi-finaliste du championnat de France 2019. Qu'est-ce qui explique ces performances selon vous? Ben, j'ai beaucoup travaillé, je m'investis beaucoup à l'entraînement. S'il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup aussi de rigolade, mais beaucoup de sérieux. Je travaille beaucoup sur mes qualités et beaucoup sur mes défauts parce que mes défauts doivent devenir des qualités. Et je m'acharne et en dehors des entraînements, je vais faire du footing, je vais à la salle de sport pour faire des compléments. Mais en tout cas, à la salle d'entraînement avec mon coach, c'est beaucoup de la technique. C'est beaucoup de la technique que j'apprends pour pouvoir dépasser mes adversaires, tout simplement. Revenons sur le championnat des Îles-de-France. Vous êtes double champion consécutif. Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce championnat pour vous? La particularité de ce championnat, ben, c'est un championnat en fait, dans la région des Îles-de-France où tous les boxeurs qui ont le niveau élite, qui ont un certain nombre de combats, puissent se rencontrer pour ce championnat. Et ce championnat permet aussi d'accéder au championnat de France. Donc c'est vraiment de la bataille et tout le monde veut se qualifier. Donc il n'y a pas de pitié. Et justement, le championnat de France, vous avez été demi-finaliste. On se poserait la question, qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau et qu'est-ce qu'il faudrait retravailler? D'accord. Donc c'était une première expérience pour moi, pour le championnat de France 2018 plutôt. Et du coup, j'ai boxé en huitième de finale, quart de finale et demi-finale, je suis arrivé. Et je suis tombé sur un boxeur. Bon, tous les boxeurs étaient plus expérimentés que moi, mais cette fois-ci, j'ai pas su prendre le combat comme il faut. Je ne me suis pas investi dès le début et je me suis réveillé qu'à la fin, le troisième round. Et donc, j'ai perdu mon combat. D'accord. La plupart du temps, deux boxeurs se regardent face à face, Oui. les yeux dans les yeux. Quelle est la valeur de ce face à face? Le but, c'est d'impressionner son adversaire, de l'intimider. Et face à cette situation, face à face, l'adversaire peut déjà avoir perdu le combat s'il est trop impressionné. La plupart des combats que vous avez remportés, quelles étaient les faiblesses de vos adversaires? Ben, je pense que je suis un boxeur assez puissant et les coups qui se prennent, bon, font mal et ça les inquiète. Ils pensent que si jamais je leur donne trop de coups, ils vont pas tenir. Et ça fait beaucoup ma puissance et aussi le fait d'être bien physiquement, avoir du souffle, du cardio et un minimum de technique. Vous avez 5 KO à votre actif. Quelle est la Oui. valeur, l'importance d'un KO dans un combat? La valeur d'un KO, ben, c'est-à-dire que
on finit pas les rounds, on finit avant la limite. On finit pas les 3 rounds, en fait, avant la limite. Et ça prouve aussi aux autres boxeurs aux alentours qu'on est un adversaire un peu redouté. Et les KO, ça impressionne un peu. Revenons sur. Vous êtes un jeune Ivoirien, Oui. vous êtes un boxeur, vous avez de l'avenir. Quels sont les défis que vous entendez dans les relever dans ce domaine? D'accord, moi je veux être le meilleur comme je l'ai dit. Je me suis inscrit, j'ai participé à la boxe pour être le meilleur. Donc je vais m'entraîner, m'entraîner pour être champion du monde si je commence à commencer une carrière professionnelle, mais c'est étape par étape. Donc déjà, en boxe amateur, olympique, dois être au moins champion de France. Et au-delà de ça, pouvoir participer aux Jeux olympiques. Et ce serait un bon défi pour moi à relever. On le disait hors antenne, vous avez des modèles dans ce domaine auquel C'est ça. vous voulez ressembler. Bien sûr. Holyfield, Mike Tyson, Deontay Wilder et Luis Ortiz. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces derniers? Qu'est-ce que vous aimez chez ces derniers? Ben, j'aime bien que leur manière de boxer, ils ont un style différent et ce sont des boxeurs qui s'imposent beaucoup sur le ring et ça fait tout ça fait la différence. Parmi ces boxeurs, il y a un boxeur invaincu et lui aussi, il est en train de faire prouver au monde entier que c'est lui le meilleur. On se souvient du récent combat d'Anthony Joshua et Oui. Andy Ruiz. Quels sont les commentaires que vous faites sur ce dernier combat? Ben, honnêtement, le premier combat, Anthony Joshua, il avait perdu par arrêt de l'arbitre. Et le deuxième, il a remporté. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est que c'était un champion qui a perdu ses titres. Et au deuxième combat, il est revenu et il a pu reprendre ses titres. C'est-à-dire qu'il n'a pas lâché. Et c'est ça qui fait aussi l'étoffe d'un champion, d'un grand champion. Dans ce domaine, est-ce que les pronostics marchent toujours? Parce que dans le premier combat, tout le monde avait pensé que Joshua remporterait la victoire devant Andy et les pronostics ont été déjoués. Bien sûr, parce que Anthony Joshua, il a l'avantage physiquement, il est plus grand que Andy Ruiz et il est athlétique. Or que Andy Ruiz, on le voit, il est un peu, il est dodu, mais tout ça ne veut rien dire. C'est le travail qui paye, c'est le travail, la persévérance, et avec le travail, on peut faire n'importe quoi, on peut terrasser n'importe quel boxeur. Quant au combat retour, il était question pour plusieurs expérimentés que Joshua attende 2 ans, le temps de reprendre, se préparer, mais Joshua avait bien voulu dans l'espace d'un an de prendre sa revanche. Comment vous jugez cette décision? Mais il est préférable pour lui qu'il ait pris un an pour faire sa revanche. Et ces 1 an aussi ont permis aux deux boxeurs de se préparer. Ils ont eu largement le temps de se préparer pour ce combat. Et ça a été favorable pour lui de récupérer ses titres rapidement. D'accord, nous le disions à l'entame de cette émission, vous êtes un jeune Oui, Ivoirien, vous c'est voulez ça. certainement porter le drapeau ivoirien en termes de défis. Il faudrait qu'on en parle un peu. Oui. C'est ça que je veux. Je veux vraiment représenter mon pays, mon peuple, montrer au monde entier que c'est un Ivoirien le champion du monde. D'accord, après la victoire aux îles de France, la Oui. prochaine étape serait laquelle? La prochaine étape, c'est le championnat de France. Et le championnat de France, qui va débuter en début février. L'objectif, c'est d'être champion de France, d'obtenir la ceinture. Et par la suite, peut-être me lancer dans une carrière professionnelle. Si j'ai l'opportunité d'être admis dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je participerai aux qualifications des Jeux Olympiques qui se font en même temps que le championnat de France en février au Sénégal. Et par la suite, ma qualification, je participerai aux Jeux Olympiques à Tokyo. Avez-vous un jour craint votre adversaire? Quelle est la différence entre la crainte de l'adversaire et le respect de son adversaire? Mais craindre son adversaire, c'est, en disant, être effrayé par son adversaire, avoir peur de lui par rapport à, je ne sais pas, son physique ou bien son palmarès ou bien sa manière de boxer, si on l'a déjà aperçu. Et le respect, c'est tout à fait différent. C'est, on va se boxer sur le ring, tout ça, mais à la fin, fair play, respect, tu m'as battu, tu as bien boxé, bon courage à toi, je t'encourage encore pour le meilleur pour la suite.
Nous sommes à la fin de cette émission. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Yaou Tayoro et vous êtes champion des Îles-de-France 2018 à 2019 et 2019-2020. Avec vous, nous avons parlé de la boxe entre passion et défi. Très bon vent à vous Merci bien. et à très bientôt certainement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.